D'où ça venait, ça? Ce bruit, ça venait de là-bas, je crois. C'est quoi ça? Un sacré bordel chez les Anglais. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Merde. Merde, merde, merde. Ellie, je suis... Non. Ouais, ça. Attends. Les intrus. Amicia! Si on n'avait pas dû gérer les dégâts chez les Anglais, on les aurait déjà pris. Nicolas va être furieux. Ça va faire mal. Et Vitalis. Le capitaine de la garde fait peur, c'est sûr. Mais le vieux, crois-moi, quand il a pas ce qu'il veut, il a le bûcher facile. Dis donc, petit, tu dois vraiment être spécial pour qu'ils te cherchent tous comme ça. C'est pas ma faute. Et il est humble avec ça. Quoi, ce bordel? Y'a rien. Faut que je me calme. Presque. La herse est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Là!
Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, Votre Altesse. Allez, avance. Vous allez me faire. C'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Amicia, le dévorantis. Il t'en reste? Oui, alors vas-y. Fais sauter son casque. Content de vous revoir. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hey, je t'entends. Et toi, Lucas, ça va? Hey, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer? Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez, l'aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non, t'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est? Un accident? C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Lance-le sur les rats. Ah, boum ! Luminosa. Ah, ça pique les yeux. Ah, ils ont été pulvérisés. L'aqueduc, on arrive. Enfin. On va enfin savoir. Je vais t'aider à monter. D'accord. On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit aqueduc. Ah, aqueduc. Aqueduc. Millie, où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. T'as l'œil. Monte. Oui. Quoi? C'est tout? Il y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier? Bien vu. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Oh là là,
Eh ben. Est-ce que c'est la mer? Non. Juste une poche d'eau souterraine. Hé, hey, il y a un ponton. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. J'avais jamais entendu parler de cet endroit. Et le château? Il est où? Ça, pour le savoir, il va déjà falloir traverser. Bravo! Un bac à trail. Un quoi? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Il y a une manivelle. Melly, tu peux t'en charger? Lucas! Viens faire ta part au lieu de roublier. Oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tu sais, il y a longtemps, Père m'avait emmenée au lac de Tourve. J'avais glissé dans l'eau et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais? Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti! Wow! Je vois pas de poisson. Oh, ça c'est à cause du monstre. Hein? Un monstre? Bien sûr! Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils sont aussi très fins. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour! On arrive! C'est bon. Vous pouvez lâcher. Ça va? Oui. Ça va. Pas trop d'eau. Lily, je suis désolée de t'avoir menti. Amicia Hugo allait peut-être mourir et j'avais peur. Je... T'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Vous parlez de quoi? De trucs de grand. Allez, on continue. Oh, c'est fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. C'est ouvert. Oh, et voilà, ça recommence. Ils m'avaient pas manqué, eux. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... Non, pas possible. Je dois voir ça de plus près. Cette fosse. Quoi, Lucas? Qu'est-ce qu'il a? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas! Celui-là, dans l'autre sens. C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rats, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Viens, Mélie. Pendant que les hommes rêvent,
Il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était... peut-être des chevaliers. Je doute que des chevaliers manient la pierre et le mortier. Mais des artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. Oh, ferme. Mais juste. Mais Lily, tu peux l'ouvrir? Ça. Non. Ça me donne la chair. Peut-être de l'autre côté. De l'autre côté. Bon, allez, venez. Ça marche. Bien, je m'occupe de la porte. Allez, passez, bande de feignants. À dire, c'est parfait. Efficace leur système. Allons-y. Suis-moi. Une porte, c'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Il est là! Le château! Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai douté un moment, mais ça, ça c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près.
vois pas, je vois pas comment. Wow. Ça, l'éclair. Ils ont peur des éclairs. Essayons. Vous rigolez? D'ombrage. Wow, il est encore plus gros d'ici. Entrons vite, venez. Wow. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Elle est fermée. Tu peux t'en charger? Ouais. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh, il y avait quelque chose de vivant là-dedans. C'est ouvert. Ils se sont tous donné rendez-vous ici, on dirait. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie? Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, ils changent d'enceinte. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier, parce que... J'ai compris.
petit bois derrière toi. Ah oui. Déjà mieux. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Plus de doute sur l'utilité de la fosse. Le brasier revient tout seul. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Cela aussi doit finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. C'est ma vie que je mets entre tes mains, là, hein? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. Tu peux le faire? D'accord. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas, peut-être? Ça va, c'est juste que je me chauffe. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben, vas-y! On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité.
de l'enceinte extérieure. Ils vont venir vers toi. D'accord. Mais il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Cela aussi doit finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. C'est ma vie que je mets entre tes mains, là, hein ? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. J'ai besoin que tu le fasses. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas, peut-être ? Ça va. C'est juste que je me chauffe. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben, vas-y. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. L'enceinte extérieure. Ils vont venir vers toi. D'accord. Mais il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Thank you.
Ceux-là aussi doivent finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. C'est ma vie que je mets entre tes mains, là, hein? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. Tu peux t'en charger? Ça marche. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas, peut-être? Ça va. C'est juste que... je me chauffe. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben, vas-y. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Ils vont venir vers toi. D'accord. Mais il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Dernier secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle.
bien y aller. D'accord. Tu peux arrêter, s'il te plaît ? Ouais. Mieux. C'est quand tu veux. Le pont, on ferait mieux de le baisser. C'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la discrète quittent le château d'Ombrage. Oh là, t'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Thank you.
aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter? Tu dois avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout. Il y a l'Amazone. Leur une histoire? Très drôle.
Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends.